I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears, but never thought I'd walk away. Promovant, nous y voilà. Aujourd'hui, c'est à nous qu'on déroule le tapis rouge. Nous, la promo en rouge. C'est ensemble que nous tournons une page aujourd'hui. Que nous revivons ensemble nos derniers moments en tant que terminal de la promovant du lycée Lumassini. Que nous retraçons ce petit bout de chemin parcouru ensemble. Jour après jour, nous avons ri, pleuré, aimer, et ensemble, nous avons vu s'écrire l'histoire de la promo 20. Une histoire sincère et passionnante. Une histoire unique et inoubliable. Ce monde ne nous oubliera pas. Et pour toujours, nous serons la promo qui n'aurait pas passé le bac, qui a vécu sa remise de diplôme en confinement, et qui sera marqué pour toujours dans l'histoire. Cette école non plus ne nous oubliera pas. Ses murs nous ont vu arriver chaque matin, nous ont vu quitter chaque après-midi, nous ont vu descendre les marches comme on peut, nous ont vu grandir jour après jour, nous ont vu partager des instants de folie, nous ont vu nous prendre nos meilleures chutes, nous ont accompagnés pendant nos longueurs de cours. Nous ont aperçus en stress avant chaque DS. Nous ont vu réciter nos cours en urgence. Nous ont vu nous transformer en scientifiques à chaque TP. Nous ont vu réfléchir pendant de longues heures. Nous ont aperçu déprimés après une longue journée de cours. Nous ont vu nous taper des notes hors du commun. Nous ont vu partager ensemble chaque repas. Nous ont vu grignoter pendant les cours. Nous ont vu danser dans les couloirs, en classe. Dans la cour, dans les toilettes. Nous ont vu chanter. Nous ont vu jouer à de nouveaux instruments. Nous ont vu marquer nos meilleurs buts en sport. Nous ont vu prendre nos selfies au lycée. Nous ont vu prendre nos photos miroirs. Nous ont vu transformer les toilettes en shooting studio. Nous ont vu marquer notre territoire dans le foyer. Nous ont vu traîner dans la cour. Wesh, 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 l'équipe, on est là, on est à... Nous ont vu unis en plein milieu d'une pandémie. Nous ont vu laisser notre marque à tout jamais. Rien ne remplacera nos fous rires et nos délires, nos seigneurs témoignent. Rien n'égalera quelques minutes de sieste sur les tables de cours, sur les bancs du lycée, sur les tables de la cour, sur les paillasses du labo, sur les canapés du foyer. Rien ne décrira l'amitié et le lien que nous avons tissé. Rien n'exprimera les galères et le stress que nous avons vécu. Rien ni personne ne comprendra notre histoire mieux que nous. Et ces petits moments d'hier deviendront les plus précieux de demain. Qu'on y ait passé 15 ans, 7 ans, 3 ou 1 an, c'est grâce
au lycée Louis Massignon que nos chemins se sont croisés. Aujourd'hui, nous le quittons ensemble, mais il sera à jamais le nôtre. On a beau compter les jours qui nous séparent de cette graduation, mais maintenant que c'est fini, la promo 20, nous avons un aveu à te faire. Nous sommes émus, car nous savons qu'on doit vous laisser partir. Mais nous ne voulons pas. Promo 20, vous allez nous manquer. Nous sommes passés par des moments durs, mais nous avons toujours su garder la tête haute. Main dans la main, épaulés par nos professeurs. Nous avons toujours su se faire rire malgré les difficultés du lycée et de cette année. Promo 20, on peut être fiers de nous. Dans quelques secondes, cette année s'achèvera. Mais nous avons un dernier cadeau à vous faire. Nous allons vous replonger dans les moments les plus magiques que nous avons partagés. Ensemble, nous avons écrit l'histoire de la promo 20. À partir de maintenant, nous écrivons un nouveau chapitre de notre vie. Quelque part avant la première page, c'est notre moment de briller et de nous dire qu'on y est arrivé. Promo 20, on n'ose pas vous dire adieu aujourd'hui. Alors, on n'a qu'un simple mot à vous dire. Merci. Et nous étions certains que cette année serait la meilleure jusque-là. Nous étions certains que nous allions vivre les meilleurs instants de notre vie. Nous étions les maîtres de notre destin. Starting from Sunday, all public and private schools and universities across the UAE will be closed for 4 weeks. Promo 20, nous avons été interrompus. Nous sommes dans l'incapacité de vous délivrer les 3 derniers mois de cette année. Promo 20, rappelons-nous ensemble ce qu'on était, de ce qu'on est devenu et de combien, par cette tournure du sort, nous avons grandi. Young, we were so young when we thought that we knew how to love. Fought about anything, everything that did dysfunction. But we just gotta own that shit. Don't let it go like this. And maybe we can grow from this, yeah. We both know I go too far, like when I wrecked your car. And almost fought your father when he pushed me in the yard. And all those nights we snuck out had to meet up at the park. Don't worry, my love, we're learning to love. But it's hard when you're young.
dance hard when you're young. Bienvenue chez la TS1. Certains diront qu'on est coquin. Une classe qui joue dans les couloirs à Marco Polo. Une classe qui transforme les cours en jeux vidéo. La TS1, c'est un record d'absence. Pour des raisons météo, quelle malchance! Quelle que soit la situation, on sait en rigoler. La TS1 reste une classe de fou même si on est confiné. On se donne à fond dans ce que l'on fait. Il faut juste repousser le délai, s'il vous plaît. On se taquine, mais au fond, on s'aime bien. On se balance, mais au fond, on se soutient. On a marché dans les couloirs du lycée. Sans savoir que ça allait être la dernière fois. On était persuadés que dans 2 semaines, on reviendrait. Mais ça a duré plus que 3 mois. C'était peut-être la dernière fois qu'on allait se voir. Et on est parti sans se dire au revoir. Mais à travers les écrans, on met l'ambiance. On continuera à dormir, cette fois sans méfiance. Nos blagues, on les fait par Snap, on rigole sur le chat. Mon micro ne marche pas, mais heureusement, les profs sont sympas. Madame, s'il vous plaît, évitez de me questionner. C'est pas moi qui suis connecté. On ne pourra pas avoir de bal de fin d'année. On ne pourra pas fêter, ni danser, ni s'éclater. On ne pourra pas monter sur scène comme les diplômés. Après notre remise de diplôme, on ne pourra pas célébrer. C'est clair que ce n'est pas comme ça qu'on a imaginé notre mois de juin. S'il y a bien une classe qui arrivera, c'est la TS1! Feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. Bienvenue chez les TS2. Apparemment, nous sommes les plus curieux. Sérieux et dynamique. Travailleurs et sympathiques. En philosophie, on est les favoris. Si vous y croyez pas, demandez à Madame Aliadari. La TS2 rencontre les plus grands enjeux. Les cours de maths sont dangereux, pas seulement en termes d'équations et de géométrie. Avec Monsieur Lefort, tu dois craindre pour ta vie. Dès que la cloche sonne, c'est le sprint en cours de maths. Une minute après, t'es dehors. Cet impact. La physique chimie reste toujours un défi. Heureusement, Rena est là pour dire « Monsieur, j'ai pas compris. » Pour son record, on devrait l'applaudir. Pas toujours agréable, parfois même bavard. Et Madame Bouillot a une arme, son canard. Corona nous a infectés et le confinement a commencé. Heureusement, Monsieur Serve était là pour nous réveiller. Mais malgré la distance, on peut se faire confiance. Les 10 sur 10 sur les QCM ne sont pas une coïncidence. Avec les appels constants pour se réveiller chaque matin. Zoom est devenu notre salle de classe. Notre école, rien ne la remplace. Nos souvenirs précèdent nos adieux. Et on n'oubliera jamais la TS2. Written in these walls are the stories that I can't explain.
leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. Bienvenue chez les TESL. Avec Madame Lavoie, des retards, on a collectionné. Aux toilettes, on est abonné. Chez les TESL, c'est souvent la sieste dans les cours. Faire ses devoirs, c'était aussi un long parcours. Chez nous, les cours sont en suspension. On préfère bien mieux allumer les tensions. Heureusement que Madame Yadari est là avec Gontran. Pour nous rappeler qu'on n'est plus enfants. Ensemble, on tourne le cours en divertissement. On trouve un moyen malgré le confinement. Avec nos caméras inexistantes et nos changements de voix. Ce n'est pas en trichant que vous obtiendrez votre bac, n'est-ce pas Monsieur Maury ? Apparemment, il n'y a pas de bac d'après le jury. Malgré la situation, c'était quand même une année de folie. Qui finit sur une bonne note même sans cérémonie. Aujourd'hui, nous fermons un chapitre avec nostalgie. TESL 1 restera gravé pour toute la vie. Shade of a tree, that's what we about. Just feel the warm breeze, living young and wild and free. Bienvenue chez les TES2. On a beau être paresseux, au fond, on est aimable. Nos fous rires et nos blagues sont incroyables. Patate, Monsieur Maury disait. Des QCM chaque semaine, notre cerveau est dérivé. Toujours avec des fiches de révision et les couloirs. Heureusement qu'on peut se détendre en histoire. Père Castor, on veut une histoire. Si tu vois des élèves étudier dans la cour... TES appelons au secours. Pour nous, l'entraide, c'est la base. Sûrement grâce à ça qu'on a pu survivre cette phase. Les problèmes éclatent à cause de la climatisation, mais on est toujours là l'un pour l'autre, sans négociation. Même si la coupure a été inattendue, l'esprit de classe reste invaincu. C'est une petite famille, la terminale ES2. Bonjour les TS1. Cette petite phrase, je la dis pour la dernière fois, puisqu'après vous, il n'y aura plus de TS1 au lycée Louis-Massignon. Vous êtes la dernière promo, une classe que je n'oublierai pas de sitôt. Une classe plutôt sérieuse, très vivante, parfois trop, pas toujours modeste, mais unie et attachante. Cette année 2020, aux circonstances inédites, a été pour vous l'année de tous les défis. La terminale, l'orientation, l'enseignement à distance. Bravo, vous les avez relevés avec brio. Bonnes vacances à tous. Bonjour, j'ai juste un petit mot pour dire au revoir aux pingouins que j'ai eus cette année, à ceux que j'ai eus l'année dernière et à ceux que j'ai eus en troisième. Et pour les plus malheureux d'entre eux, ou les malchanceux, j'en sais rien, que j'ai eus 3 ans de suite. Eh oui, je vous avais dit que vous étiez en vacances jusqu'en terminale. C'était prémonitoire. Vous avez même eu 4 mois de supplémentaires de vacances. Donc vraiment, hein, vous êtes vraiment en vacances jusqu'en terminale. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les années qui vont venir. Un bel avenir. Vous allez enfin commencer à travailler après le bac. Et peut-être qu'on se reverra sous d'autres cieux. Peut-être que vous reviendrez nous voir. Et peut-être qu'on se reverra aussi sur les pistes de ski, puisque vous n'avez pas voulu venir avec nous. Allez, au revoir, bonne chance à tous, à bientôt. À tous mes chers élèves de TS2 que j'ai côtoyés cette année,
à tous ceux à qui j'ai pas pu dire au revoir. Voilà, je voulais que vous sachiez que j'ai passé une très belle année avec vous, que ce soit en présentiel ou à distanciel. Sachez que vous êtes exceptionnels, ne changez rien. Je vous dis banalement, mais sincèrement, bonnes vacances et je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye. Mais maintenant, vous allez partir vers votre avenir. J'aurais préféré vous voir avant de partir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne chance pour le futur. So this is goodbye, but what's coming next is going to be so exciting, but never as good as the year we spent together, for me anyway. Wish you all the best. I just wanted to say that I've had a great year teaching you all, and it's just so unfortunate that we have to say our goodbyes in this manner. Anyway, I wish you all the best. Go for your dreams, achieve them. But most of all, stay safe, because your lives matter. بناتي وأبنائي الحلوين لكم كنت أتمنى أني نشوفكم ونفرح بيكم في سنتكم الأخيرة بس معلش أنا دايما فرحانة بيكم وفعلا فخورة بيكم وأسعدني أنكم كنتوا معايا بعضكم للي أكثر من سنة إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب جميعا تكونوا موفقين وإن شاء الله لا تنسوا العربي لا تنسوا العربي اقرأوا أحيانا كتاب بالعربي وإن شاء الله يا رب نشوفكم دايما متألقين دايما ناجحين أحبكم حقا قولا وفعلا وإن شاء الله إن شاء الله دايما موفقين تحياتي باي ولا تنسوا تزورونا أوكي يلا باي Hallo, wie geht es euch? Gut? Et ben voilà, vous allez partir vers de nouvelles aventures. Alors, soyez heureux, explorez dans la mesure du possible, allez au bout de vos rêves, continuez à nous étonner de façon positive. Et n'oubliez pas, ihr seid unsere Zukunft. Und ja, ich werde euch vermissen. Und noch dazu, bitte, bitte, bitte vergesst Deutsch nicht. N'oubliez pas l'allemand. Promis? Allez, mach's gut. Tschüss. Et j'espère à bientôt. Salut les jeunes. Bon, alors, on n'a pas pu se dire au revoir. On a loupé notre dernier trimestre ensemble. Quel dommage, on allait attaquer nos activités phares. L'acrosport pour moi, la danse pour Monsieur Guillaume. Des activités artistiques collectives et vous avez loupé quelque chose parce que Monsieur Guillaume, il me l'a dit après, il avait prévu des chorégraphies pour vous, il allait onduler son corps, je vous dis que ça. On laisse ça pour l'année prochaine et Madame Embolet envoyait certains d'entre vous au Cirque du Soleil déjà pour l'acrosport. Ah oui, ouais, je suis frustrée de ne pas avoir pu finir mon cycle. Bon. Blague à part, on vous félicite tous pour cette belle année. Vous allez nous manquer. Et bon vent à tous. Belle réussite dans le supérieur. Et s'il vous plaît, ayez votre bac parce que sinon, vous allez vous le farcir une année de plus. Je vous déconseille. Bonjour les jeunes. Je suis très émue de vous dire au revoir par l'intermédiaire d'une vidéo. Juste avant le confinement, j'ai dansé avec certaines d'entre vous pour célébrer les droits des femmes. Et j'aurais vraiment, vraiment adoré danser avec vous toutes et tous pour célébrer votre réussite. Alors d'abord, je voulais vous dire à chacun d'entre vous un immense merci et du fond du cœur. J'ai passé 3 ans à Massignon que je quitte en même temps que vous pour d'autres cieux.
mais la promo 2020 aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je n'oublierai jamais aucun de ces élèves. C'est en effet la promo qui a accompagné mon confinement et qui l'a littéralement illuminé. Donc vraiment, vraiment, un grand merci. Je voulais évidemment, bien entendu aussi, vous féliciter, vous dire bravo, bravo pour votre réussite, mais aussi et surtout pour votre engagement absolument stupéfiant. Et pour cet engagement, je voudrais vous décerner le plus grand prix de philosophie qui soit, c'est-à-dire le prix Socrate. Vous êtes en effet de très dignes représentants de ce philosophe, puisque même confiné, même coincé au fond d'une grotte, d'une caverne, vous avez gardé le désir pour le savoir, l'appétence pour la connaissance, et vous êtes toujours allé vers la lumière. Donc vraiment, pour cela, je vous félicite et sachez que je suis très confiante pour vous pour la suite. C'est une vision holiste, du grec holos, et réaliste de la structure sociale. Tandis que Weber a une vision plus individualiste et nominaliste de la stratification sociale. De son côté, le multiplicateur keynésien est critiqué par les monétaristes qui recherchent le non-accelerating inflation rate of unemployment. Allez, tout ça pour vous rappeler le monstre qui vous a traumatisé pendant une année au lycée Massignon. Au revoir les élèves. Bonjour les TS2, félicitations pour votre bac, mention confinement. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite de vos études et de votre vie professionnelle. Et surtout, beaucoup de bonheur, ça c'est le principal, dans cette nouvelle vie qui s'annonce. Alors bonne chance pour la suite. Au revoir. Parmi les choses les plus tristes qui peuvent arriver dans une vie, je crois, c'est de partir sans dire au revoir. Voir partir les gens qu'on aime ou qu'on a aimés sans avoir pu leur dire au revoir. C'est une façon finalement tendre de dire aux gens qu'ils vont nous manquer. C'est aussi une façon pour celui justement qui dit au revoir, ou auquel on dit au revoir, plutôt de tourner une page. La classe de terminale est de fait un de ces moments forts de le revoir. C'est tout ça que nous, profs de terminale, enseignons et aimons enseigner. Pour vous penser dans le mur, bien sûr, c'est notre côté sadique, terminator, mais surtout pour vous aider à faire que ce mur n'en soit pas vraiment un. Vous aider à découvrir que finalement ce n'était qu'un mur de jardin. Vous aider à comprendre aussi que toute frontière est toujours à la fois coupure, certes, mais couture aussi entre deux mondes. Ce que nous aimons dans ce moment, nous, professeurs de terminale, c'est ce moment de le revoir, ce moment très fort en émotion. Mais avec quelque part le sentiment peut-être qu'on accapare, qu'on vole quelque chose à tous ceux et toutes celles qui vous ont amené là où vous êtes depuis l'enfance. Chacun, chacune des enseignants, des enseignantes qui vous ont accompagné depuis la maternelle. Pas moi en tout cas que nous, là, les terminateurs, les profs de terminale, qui avons le privilège de partager avec vous cet au revoir. C'est un immense mérite, un énorme travail réalisé par... Vu, préserver, préparer ce moment de le revoir, d'avoir travaillé pour vous, d'avoir travaillé pour nous, d'avoir travaillé pour tous. Si on espère avoir pu et su enseigner une chose, au-delà de tous les noms, tous les savoirs et tous les cheminements complexes dont on a chargé et fait chauffer vos petites têtes, c'est bien ça, je crois, savoir se mettre au service de tous, mais pour son plaisir. Plus qu'un au revoir entre nous, d'abord parce qu'il est peu probable qu'on se revoie, peut-être juste un au plaisir, parce que dans le plaisir et la joie, c'est sûr, on se reverra. Au plaisir. Lauréate, cher lauréat, enfin vous voilà bachelier. Après une quinzaine d'années sur les bancs de l'école, du collège, puis du lycée, c'est un accomplissement, bravo. Félicitations à chacune et à chacun d'entre vous, à vos enseignants et aussi bien sûr à vos parents qui vous ont accompagné et continueront à le faire dans les prochaines années. Alors c'est aussi une étape très importante de votre vie, vous devenez ainsi des acteurs du changement, de ce changement dont notre monde, votre monde, a tant besoin. Votre année de terminale a été particulière puisque vous avez accompli le dernier trimestre de cette année hors du lycée, sans vos camarades, entre vos livres, vos écrans, mais aussi vos projets et sans doute vos questions. Je ne doute pas que vous saurez apporter à ces questions des réponses innovantes pour un monde qui vous ressemble, un monde qui doit être généreux, solidaire, soucieux de notre planète et de notre humanité commune. Alors, la formation que vous avez reçue ici aux Émirats Arabes Unis
nous apporte un cadre de valeurs, celui de la République française, qui inclut l'ouverture à l'autre grâce à la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous avez aussi baigné aux Émirats dans un environnement multiculturel, plurilingue, tolérant. Eh bien, soyez conscient de cette double chance que vous avez eue. Soyez aussi fier de cette expérience acquise, très riche, que vous n'oublierez jamais. Maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer, c'est à vous de réenchanter notre monde. Tous mes vœux vous accompagnent dans cette nouvelle phase de votre vie. De la promotion 2020, c'est voilà, un message tout particulier pour vous. Je ne pensais pas, bien sûr, en début d'année, qu'on se dirait au revoir de cette manière-là. Alors j'aurais préféré, bien sûr, au nom de toute l'équipe du LLM, de ses enseignants, de toutes ses équipes administratives, vous regarder droit dans les yeux pour vous dire à quel point on est tous tellement fiers de vous. Les choses en ont décidé autrement, mais je pense qu'il faut regarder vers l'avenir qui est là, derrière moi. Il peut être cet avenir un petit peu vertigineux, faire peur, mais en même temps, je pense que pour vous, il doit être serein. Et vous pouvez le regarder droit en face parce que, voilà, si on se souvient de cette promotion 2020, ça n'est pas pour tout son caractère exceptionnel de par un certain nombre de circonstances extérieures à notre établissement, mais c'est bien parce que, en dépit de toutes ces circonstances, vous avez su être à la hauteur, vous avez su avancer et vous avez su surtout vous préparer pour l'avenir. Donc regardez-le bien droit dans les yeux, cet avenir, il vous appartient. Courage, à très bientôt j'espère. Au revoir. We face tomorrow as we say goodbye to yesterday.